Dans le trou là une fois. Oui, ça c'est un terrain d'entraînement. C'est le sénateur ? Oui. Dans une, c'est moins de 2 semaines. Donc, dans un mois, l'idée est que dans 2 semaines encore, tout ça sera plein et on pourra la toiture ici devrait commencer aujourd'hui, mais à cause de la COVID, nous avons décalé cela d'un jour. Ici, donc, elle commence demain. Nous pouvons aller dans les vestiaires, s'il vous plaît. Et donc là, le gazon est à la pépinière. Il s'est multiplié par 4. Ah, ça c'est. Je ne sais pas. Au Cameroun, les choses sont en train d'avancer. On ne peut pas, pendant que nous avançons, venir mettre la question à la table. L'État, le gouvernement camerounais s'est donné des moyens pour pouvoir construire d'autres stades, alors qu'aucun pays en Afrique n'avait jamais fait. En un an et demi, tout le d'Afrique, on dit qu'on n'est plus à 18, on est à 24. Aucun pays ne l'avait jamais fait. Nous avons fait des efforts pour être à ce niveau-là. Moi, je suis satisfait déjà de notre visite depuis ce matin. Moi, je suis pas satisfait des avancements de travaux. À Olimé, à Yaoundé, c'est presque terminé. À Jacoba, c'est presque terminé.
Donc si le président de la CAF il pense qu'il est l'homme le plus puissant d'Afrique au football, moi je pense qu'il se trompe. Il se trompe. S'il veut enlever la CAN au Cameroun, il sache que tous les autres pays d'Afrique ne sont pas d'accord avec lui. Et il le sait. Donc qu'il arrête de menacer le Cameroun. Nous savons nous-mêmes que nous devons accentuer les travaux. Nous savons nous-mêmes que on a peut-être une semaine, c'est pas le cas, et encore, même pas. Donc qu'il ne nous presse pas, qu'il ne passe pas comme si nous étions des bébés, qu'on ne savait pas ce qu'on était en train de faire nous. Donc nous savons ce que nous faisons, et nos stands avancent. Nous ne sommes pas la première CAN organisée ici au Cameroun. On a organisé celle de 72, on a organisé la CAN féminine, on a organisé d'autres compétitions. Et parce que tout s'est toujours bien passé. Ils étaient les premiers il n'y a pas longtemps pour nous dire que la CAN féminine au Cameroun est la meilleure des CAN qu'on ait jamais vue en Afrique. Et ils ne peuvent pas venir encore demain pour nous dire que le Cameroun ne peut pas organiser une CAN. Le Cameroun n'a même pas deux stades pour organiser une CAN. J'aimerais qu'ils jettent un peu un maître dans les autres pays pour voir faire des stades comme ceux du Cameroun pour organiser une CAN. Je suis amer pour cela parce qu'un président de la CAF n'a pas le droit de parler comme ça contre un pays. Il n'a pas le droit. Donc, qu'il laisse peut-être des journalistes ou d'autres personnes parler, même lui, il doit modérer, il doit se dire que bon, je suis quand même le président de la CAF, je n'ai pas à cadrer ou à insulter parce que c'est des insultes. C'est un sud, chaque fois qu'il pense à Meko, il faut parler. D'autres personnes, d'autres journalistes, le port en disant que non, monsieur, tu es en train de passer à côté. Je ne sais pas s'il le comprend ou il le fait exprès. Donc moi, j'ai dit, je suis satisfait de la visite de ce matin. Les choses avancent. Je vous ai dit, Yaoundé, Jacoma, ça avance aussi. Je pense que Limbé, Béa, c'est déjà terminé là-bas. Je ne crois pas pour ça aussi. Donc, nous attendons le mois venu pour organiser cette coupe. Et elle va avoir deux occasions. S'il veut nous enlever la CAN, il faut qu'il nous le dise dès maintenant. Là. Pas toujours qu'il attend, toujours que le machin, tout. Comment il dit qu'il attend la fin des élections? Qu'est-ce que ça y a à voir avec la CAN? Qu'est-ce que ça y a à voir avec la CAN? Qu'il nous dise, qu'il dise à l'opinion publique, au monde entier, que voilà, j'enlève la CAN au Cameroun. Un point, c'est tout. N'est pas remise en cause par les autres, elle est remise en cause par les Camerounais. Les autres récupèrent ce que disent les Camerounais du Cameroun. Voilà ce qui se passe. Et là, ce sont les journalistes qui harcèlent le président de la CAF et qui retiennent seulement une partie de ce qu'il dit. Mais moi, je voudrais vous dire ce que j'entends le président de la CAF. Le président de la CAF dit qu'il ne peut pas sortir des clous. Et quels sont ces clous? Il faudrait que vous sachiez que les inspections sont prévues longtemps à l'avance. Elles ne sont pas inventées ni improvisées. Donc l'inspection qui vient en novembre, on ne nous en fait pas cadeau. Elle était prévue depuis longtemps. Ce qui veut dire quoi? Chacun peut déduire. Que personne ne peut dire quelle est la position des chantiers camerounais avant la dernière inspection. Et que la CAF, une institution respectable, ne peut pas prendre de décision sur l'organisation de la CAN avant la dernière inspection. Et le président de la CAF n'a pas arrêté de répéter quelque chose. Il a dit, je ne peux pas vous donner la position d'Aman. Aman peut avoir sa position, mais je ne peux pas vous la donner parce que je viendrai en tant que président de la CAF vous donner la position de la CAF. Et la position de la CAF, je dois vous révéler quelque chose. C'est que la commission d'organisation de la CAN, à laquelle j'appartiens, a mis en place une commission, une petite commission ad hoc, qui est venue suivre ici la dernière inspection. Et ce qui avait été dit, c'était que ce petit comité ad hoc n'a pas de pouvoir de décision, vient simplement pour une question de nom.
suit l'inspection, puis ensuite on repart à la commission avec ce qu'ils ont vu et le rapport des experts. La procédure est que la commission d'organisation fera donc ses travaux et un rapport au comité exécutif, qui lui aussi fait des travaux et un rapport à l'AG. Donc tous ceux qui sont allés bousculer le président pour savoir si la dernière AG allait retirer la CAN au Cameroun étaient totalement hors sujet. Ce n'était pas possible, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et le président de la CAF a dit et répété, c'est dommage que même vous de la presse camerounaise ne reteniez pas ce qui est en notre faveur. Il a dit qu'il ne peut pas dire, parce que ce n'est pas lui qui va dire. La procédure désormais est que, à 9 mois de la CAF, le pays organisateur doit dire s'il se sent toujours capable d'organiser. Sauf que le président de la CAF en personne a dit, étant donné qu'on est passé de 16 à 24 et que c'est la première fois, de manière exceptionnelle, on ne va donc pas suivre nos textes. Et le Cameroun, nous lui accordons un délai, c'est à 6 mois de la compétition qu'on dira si le Cameroun est capable d'organiser. Calculez donc vous-même, vous voyez qu'on est en fin décembre. Donc, l'inspection du 3 novembre aura bien lieu et c'est ensuite fin décembre qu'on dira si le Cameroun peut ou ne peut pas. Et le président de la CAF a répété, je ne retire pas la CAF à un pays, c'est le pays qui peut ou ne peut pas. Le pays se désiste s'il ne peut pas. Et il a répété, je sais où nous irions au cas où le Cameroun ne peut pas. Donc, ce n'est pas la peine de bousculer le Cameroun, c'était ses propres termes. Aux membres de la commission d'organisation. Ne soyez pas pressés, ne bousculez pas le Cameroun, donnez-leur le temps de travailler et on aura le temps de juger. Maintenant, le temps, ce n'est pas celui de la CAF, c'est nous, Camerounais, et là je parle comme Camerounais, nous, Camerounais, nous devons nous bousculer pour rattraper les délais, mais la CAF, elle, elle sait où elle irait, elle sait qu'il y a des pays qui pourraient reprendre si le Cameroun ne peut pas. Mais ce n'est pas la CAF qui décide unilatéralement que je ne veux plus du Cameroun. La CAF est aux côtés du Cameroun pour que le Cameroun y arrive. Les Africains veulent venir au Cameroun pour ce que précisément ceux qui sont dans cette salle représentent. Voilà ce qu'on dit là-bas.